Yahoo dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve du coup avec l'extrême plaisir pour la vidéo top et flop des mangas du coup de l'année. Donc si la suite t'intéresse, continue. Du coup dans cette vidéo je comptais de base te parler du coup et te présenter tous les titres qui avaient été mes plus gros coups de cœur et ceux qui avaient été mes plus gros flops de l'année. Malheureusement je suis pris assez de cours en fait au niveau du temps qui me reste du coup pour filmer toutes mes vidéos. Et celle-ci du coup n'était pas ma priorité absolue, parce que ma priorité absolue, là il me reste surtout la vidéo du 25 à filmer et elle est vraiment plus importante à mes yeux. Donc je tiens quand même à te dire que oui, dans cette vidéo tu auras quand même ma liste du coup des plus gros coups de cœur et des plus gros flops que j'ai eu cette année. J'ai fait du coup une sélection par rapport à tous les coups de cœur que j'ai eu dans l'année. Il y en a eu plus que ce que je vais te lister, mais ceux qui sont du coup listés sont les plus gros, ceux que vraiment j'aurais retenu du coup dans cette année. Pareil pour les flops, ce sont ceux du coup qui m'ont marqué le plus au niveau de mes flops. Mais tout ça du coup je ne vais pas te les présenter, je ne vais pas te les afficher ici, mais je vais tout simplement te les relister dans la barre d'infos. Dans la barre d'infos tu auras du coup la liste des titres et tu auras aussi le lien direct pour accéder à toutes les vidéos, à part pour les flops parce qu'il y a certains mangas que je n'ai carrément pas présentés. Mais pour ceux en tout cas qui auront une vidéo présentation, je te mets du coup les liens dans la barre d'infos. Je suis désolée de faire comme ça, mais je préférais encore te faire ce coup là plutôt que de faire comme les deux dernières années où je n'ai pas du tout posté de vidéos flop et top. Et ça permettait aussi de faire quand même un récap de l'année, quels ont été quand même mes plus gros coups de cœur, mes plus belles découvertes, etc. Donc voilà, donc je tiens à m'excuser d'avance une fois de plus. Sur ce, je te retrouve du coup bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je te retrouve du coup l'an prochain avec beaucoup de présentations de mangas.